Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV. Et ben, comme toutes les semaines, nous avons la cuisine sur nos deux chaînes. La cuisine commence le samedi, bien entendu, et dure toute la semaine, tous les jours de la semaine, à des horaires différents, bien entendu, pour que chaque personne y puisse voir. S'il est du matin, il voit l'émission le matin, s'il est de l'après-midi, il voit de l'après-midi, puis bien entendu, s'il est du soir, comme la majorité des personnes, il voit l'émission le soir. Et ben, nous tournons toutes ces émissions-là le jeudi. C'est le jeudi, ici même, pas trop loin, devant là-bas, Bassin Labou, à Sainte-Suzanne, dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne. Et ben c'est là où nous avons le studio en plein air pour Canal Austral et Piment TV de la cuisine. Et donc toutes les semaines, c'est une émission de cuisine, une émission d'une heure qui plaît beaucoup beaucoup à les personnes de la Réunion bien entendu, mais aussi toutes les personnes de l'océan Indien, puisque nous tournons aussi des émissions sur Mayotte, sur Madagascar, sur Rodrigue, sur Maurice, un petit peu partout dans l'océan Indien, mais majoritairement c'est ici à l'île de la Réunion que nous fait découvrir les gens plaisir créole. Et plaisir créole passe aussi par la cuisine créole. Mais aujourd'hui, il ne fera pas de la cuisine créole. Hein. Quelquefois, nous fait bien entendu, mais quelquefois, il faut aussi sortir de ce qu'on appelle les sentiers battus, puis aller un petit peu à côté, voir ce qui se passe. Et là, nous sommes très loin, parce que nous sommes en Chine. Et il y a Nounours qui nous revient. Nounours, rappelle à Zot, il est venu à peu près 2 mois de ça. Il est venu faire la cuisine avec nous. Et Nounours, il a une particularité, c'est que lui, il fait de la très haute gastronomie chinoise. Hein. Et il ne fait pas un plat, il ne fait pas deux, il dit, oh, comme ça, il dérange pas, il vous fait deux plats, il quand il vient, il fait un paquet de plats et après des merdes pour manger parce qu'il est sous la pointe pour manger là. Hein. Ben, on met tout dans une barquette après qu'on conserve. Hein. Et ben, Nounours vient aujourd'hui pour refaire la cuisine avec un paquet de plats que lui a dit, moi, il m'a fait oublier le nom de tout ça. Hein. Et nous aurons aussi des invités aujourd'hui. Nous aurons Bernard Mayos, qui a dit, moi, il vient avec sa femme. Nous aurons Robert, qui est le chinois du port et de Saint-Paul. Qui fait toute la route, sauf que Robert, comme ça, okay, vous connaissez, s'il a la grève, il vient pas, si la pluie tombe, il vient pas, si son roule est un petit peu dégonflé, il vient pas, si son loto il pète, mais il a un bruit qui fait différemment que les autres joueurs, il vient pas. En fait, Robert, tous les prétextes, les fait pour qu'il vienne pas. Là, il vient appeler à moi pour dire moi que tout était réuni aujourd'hui pour qu'il vienne. Donc, Robert sera là, et puis après, bien entendu, nous aurons quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis pas mal de temps qui sera là aussi, et il fera plaisir à Zot parce que c'est Calix qui revient aujourd'hui, non pas pour faire la cuisine, mais pour goûter la cuisine de Nounours aujourd'hui. Comme elle a dit comme ça que Nounours il vient, comme ça, hein. Mais habite Saint lui Jean-Claude hein, et Saint-Suzanne est loin. Mais il fait la route là, mais il vient goûter la cuisine de Nounours et peut-être qu'il m'arrive un petit peu avant pour voir un petit peu comment il fait aussi. Hein. Et ben tout ça aujourd'hui, c'est dans l'émission de Plaisir Créole. Et ben moi, il perd pas de temps parce qu'il a dit comme il commence que Zémi arrête. Puis, c'est vrai. Mais là, ce problème-là, hein, oui, il y a un problème pour certains, un défaut pour d'autres, et puis après, une qualité pour d'autres, hein, excusez-moi. Ben, m'y arrête, et nous monte tout de suite, reste un petit bout de chemin, là, mais l'arrête un petit bout dans le bon chemin, là, et pour aller road bread, et après, mais ça va tout de suite, et nous retrouve là-haut. C'est bon? Ok, allez, à tout de suite. Un bel et qui vous attache et qui vous mène par le bout du cœur. Bonjour Calix. Bonjour Jean-Claude. Vous avez fait la route depuis Saint-Louis pour ici? Ben, mal a fait la route depuis Saint-Louis pour arriver ici, ah, pour une bonne cause. Ah bon, pour une bonne cause, parce que vous avez tous les bien billets. Gâte ça! Ah bon, ouais, bien ben, billets! Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, moi, en touriste, moi, l'invité. Vous l'invitez? Ben, ah bon. M'attendez, dit Nounours fait la cuisine, ben, moi, l'invité. Nounours, bonjour Nounours! Bonjour! Bien pas là où Nounours, moi? Bonne année à toutes! Ah! Bonne année tout le monde. Hein, là, pourquoi commencer? Nous avons fait l'introduction, au fin de comment on se travaille, hein? Oui, ben, parce que, on va mis le temps, mais faut pas perdre le temps. Voilà. Hein, alors, nous n'avons aussi d'autres personnes avec nous. Nous n'avons François. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Dans le sud aussi. Dans le sud. Dans le sud aussi.
Et après, nous avons Mélissa. La fille de Nounouas. La fille de Nounouas. Oui. Alors, Mélissa, ah, vous êtes bien habituée à la cuisine de Nounouas. Oui, hein? De tout petite. De tout petite. Oui. Hein? Et dis-moi, vous l'avez grandi aussi avec cette cuisine-là. Donc, oui. Automatiquement, on l'a appris aussi. Oui, de, plein de choses. Plein de maintenant, choses. Plein de choses, je ne me connais pas aussi. Je apprends de jour en jour. Ah bon, d'accord. Et donc, avec... Vous êtes autonome maintenant, vous gagnez cette cuisine vous-même. Bah, oui. Mais vous dites ça maintenant, mais depuis très très longtemps. Oui, depuis millénaire, mais il était là-dedans. Papa a toujours été dans la cuisine, donc depuis petite, il était bien. Il tombe dans la marmite. Voilà, où tu es baissé par les odeurs. Bah oui, voilà, les odeurs. Bon, de toute façon, comme aujourd'hui, on accompagne papa, et nous va bien voir ça. Bah oui. Ok, ben François, aujourd'hui, on est quoi, un petit peu comique, un petit coup de main? Volontiers, volontiers. Okay. Ben, réponds alors. Ok. Alors, Nounouas, comment ça fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire, comment dire ça? C'est un plat chinois, typique, qui s'appelle fouami dans les arbres. Fouami dans les arbres. Voilà. Et comment ça se fait fouami dans les arbres? Alors, ben, c'est un genre de, vermicelle de riz qui est frit dans l'huile, et dans un plat. Après, au dernier moment, on fait une petite phase de viande, légumes, bien saisonnée. On lâche aller au milieu, il tombe dans le vermicelle frit. Et quand il descend, il fait pshhh, donc, il fait comme un fouami quand il grimpe dans les arbres. Donc c'est pour ça, la baise ali comme ça. C'est pour ça que le chinois, là, ils aiment bien imaginer les choses. Tout est imagé. Tout est d'après la nature. Ouais, donc la baise ali, à la fin, ben, fouami dans les arbres. Version française, quoi. Et après, quoi, nous, dans ton corps? Alors après, nous fait un poulet bouilli au jambon. Un poulet bouilli au jambon. Oui, comme moi, période. Et François, vous l'avez vu ça à l'école, c'est que moi, il travaille même, il a. Ah oui, il a. Après, il est pas empêché, lui, Période de, comment dire ça, jardin chinois. Ouais, donc tout ça, c'est des plats qui priment avec. La période. Quoi. Ouais. Ensuite, on va faire comment? Des filets de dinde. Filets de dinde aux quatre bonheurs. Aux quatre bonheurs. Voilà. Alors, les quatre bonheurs, dis pas moi tout de suite, on dit tout à l'heure. Oui, après, on va détailler. Ah bon, problème, quatre bonheurs. Hein. Ouais, c'est une variation aussi. Ouais. Ensuite, on en a bread le cœur farci. Bread le cœur, c'est ça qui appelle bread le cœur? Voilà, oui. Bread le cœur farci, farci à la chinoise, À la chinoise. Et après, comme ça, ça fait un fouillon aussi. Oui, fouillon aux légumes spécial. Aux légumes spécial. Et fouillon, là, comme ça, il a une particularité, parce que tu manges ça pour bien digérer. Voilà, des fois, on l'a trop mangé au début, on l'a trop, mais on mange un petit bout de fouillon. Il aide, on les remet tout en ordre. Ah, d'accord, alors, Et puis après. Parce qu'il faut reconnaître aussi, toute cuisine chinoise, à chaque plat, on a son dérivé, comme il dit. Ah bon. Si on a mal à la jambe, mal au ventre. À la tête, je suis pas fait. À chaque plat, on a. Et après, vous faites plaisir à moi, demain, comme ça, qu'on va faire une petite soupe chinoise pour moi. Toujours. Pour moi. À chaque plat chinois, il faut en avoir toujours. Soit une petite soupe, soit un petit bouillon. Ou un petit fricassé, un petit sauté. C'est ça qui. D'accord, alors. Qui roule l'appétit. Calix, vous pouvez venir vers Aouf, il y a la cuisine créole, mais la cuisine chinoise, un peu aussi de temps en temps. Non, c'était une époque que j'avais un petit camarade chinois, là, montant, m'a fait un petit peu la cuisine. Mais j'adore la cuisine chinoise, mais là, c'est que ma vie à télé. Moi, c'est rien du tout à côté de la cuisine chinoise. Ah bon? Je vais regarder comment il fait, après m'entraîner un peu. Pour moi, peu. Personnellement. Bon, alors. Bon, Nounouas, nous commençons alors, Nous commençons? Bon, alors, on est parti. Quand est-ce que votre chèvre, elle est bonne pour faire garder là? Ben, c'est même les meilleurs pour manger, c'est même les bons. Là, dans un mois et demi, la migade est là. Regardez le petit marron là. Ben, dans un mois et demi, il n'aura pas un an, parce que ça, votre chèvre, il est là, il a 6 mois à peu près. Ben, là, même les bons, dans les un mois et demi, 7 mois, les bons. Ben, tu connais cochon de lait, maintenant, il y en a cabri de lait. Ben, cabri de lait. Là, il fait cuire cabri de lait, la chèvre est meilleure là. Pliton? Ben, les plitons, les meilleurs. Ouais. La viande est meilleure. Ouais. Après, on a cabriolet aussi, La cabriolet, l'auto. Cabriolet, décapotable, cabriolet, tout ça. Ben, donc, dans un mois et demi, les bons nous gagnent faire un cabri ici, là, alors. Il baise un petit cabriolet. On rappelle, on a un an de ça, nous a fait un cabri à Diego. À Diego, l'hôtel ambassadeur avec sa bière. Voilà, et ben là, là-bas, la mange bouillon, la tête cabri. Dol. La soupe, la tête cabri. Ben.
Hein, il faut le faire. Hein. Ah oui. Hein. Ben bon, là, ben, nous, on a fait un beau massalé ici avec. Fait un massalé, le jeu, nous fait la triple, la tête, la pâte, tout. Hein. Ah oui. Les bons, alors. Bien grand matin, tu es ici à place. Les bons, après, ils dorment sur place, tout si ça va leur demain. S'il est fatigué, oui, parce qu'il prend plus la route, c'est fini. Ah non. Ici, il boit de l'eau seulement. Ben, il boit de l'eau seulement ici. À peu près qui était. Après, il repose mon père. Voilà. Ok, Kalex, nous gardons nos noix sur la cuisine alors. Hein? Ben, là, nous gardons nos noix sur la cuisine. Mais bon. Là où ça fait quoi? Le poulet bouilli au jambon là. Un poulet bouilli au jambon. Là, nous allons mettre de l'eau chauffée. Hein, on a mis de chauffer au feu. Calix allume de feu, hein. Oui. Parce que ici, comme d'habitude, c'est Malba toujours qui allume de feu, hein. Et là, on prend un poulet entier comme ça, alors, hein. Oui. Un poulet jaune. Là. Voilà. Et là, ça fait bouillir. Là, là où la paille est dedans. Hein. Bon, et puis là, à mon avis, aussi, on a des cuisses de poulet et tout ça, là, hein. Oui, oui. Donc, ces cuisses de poulet, là, qu'est-ce que ça fait encore avec ça? Pas mal de petits trucs, la face, des petits faces, des petits braisés, des petits brouillés. Ouais. Voilà. D'accord, là. Ça dit bon, quand vous faites un bon poulet bouilli, hein? L'eau, quand on va mettre de l'eau, c'est cru. C'est pas encore à peine chauffé, hein. D'accord. Là où là, ça l'est enrobé, bien enrobé, quand on a fini, là, on enlève. On enlève de l'eau? Non, il tient dedans comme ça? Voilà. Ouais. On était dans les restaurants, là. D'accord. Parce qu'un monde, il garde, il écoute, il dit un poulet bouillé au jambon. Mais n'importe qui fait, hein. Mais non, désolé. Maintenant, on laisse de l'eau bouillir. Oui. Après, on met le poulet dedans, on fait cuire. Ah, c'est donc, en deux phases, voilà, alors, hein. Voilà. On met un petit peu avec l'eau, les crues, les encore frais, là, hein. Et souvent, tout le monde dit, moi, j'en ai. Ah. Mais ça, les fades, hein, un poulet bouillé, là. Et quand on dit, passe à table, il dit, ah. Mais bon goût. Mais on a fait. C'est ça. On a fait comme ça quand j'ai pour les bouillis. Oui. On pensait que c'était un poulet bouillis. Parce que. Non, il est bouillis, effectivement. Le poulet bouillis, après, moi, on a appris le poulet bouillis avec la sauce gingembre, tout ça. C'est un autre truc encore. Mais il est très bon, hein. Il est très bon. Après, un moment, il regarde la viande, il dit ça, les blancs, ils n'aiment pas de ça. Allez voir. Malheureusement. Avec un bon petit sorcier après, un petit sauce gingembre, de l'ail à côté. Vous faites un repas complet. Ah ben oui, hein. Et en plus, c'est pas trop compliqué à faire, hein. Voilà. Ouais, ouais. Sauf qu'il faut faire bouillir deux fois. Il y en a beaucoup qui disent, oh, la viande, là, il faut les fruits. Par exemple, quand il fait un curry, pareil. Il faut la viande bien sec, les fruits, tu vois. Ouais, ouais. Il faut sauce tomate, tout faut de volaille dedans. Ouais, ouais. Comme il parle là pour, hein, version créole, hein. Ouais, ouais. Mes oreilles et compagnie. Hein. Ben, on va voir la différence. C'est pas en étant. C'est pas en étant la viande des fruits. Ah, oui. Vous invitez la viande. Un cabri, hein. Mais il y en a un Mayos avec son chapeau. Hein, Nounou, son camarade, Bernard Mayos. Bonjour, c'est son anniversaire. Bonjour, c'est son anniversaire. Bonjour. Mais tu as un chapeau aujourd'hui. Ah, et j'arrive, je me créolise. Ah, tu te créolises. Je me créolise. Ah, d'accord, alors. J'ai l'honneur, le privilège de vous saluer. Ok. Bonjour à mon ami Nounou. Bonne année à toi. À toi aussi, meilleurs vœux, santé, bonheur, prospérité. Alors Bernard, il a dit qu'il fait la cuisine un peu plus compliquée aujourd'hui. Parce que d'habitude, il fait la cuisine qui n'est pas compliquée. Ouais, ouais, mais même pour lui, quoi. Hein. Bon, c'est pas compliqué pour lui, quoi. Je vois qu'il stresse, hein. Je vois qu'il stresse, il a mis son élastique. Ah ouais, il stresse. Moi, je l'ai essayé, mais je l'avais pas mis là où il fallait, et ça m'a posé des problèmes. T'as mis l'élastique où? Oh, je vais pas tout vous dire non plus. Ok. D'accord, alors. Ça donne des sensations, hein. Oh là là. Et ça, c'est les pousses de bambou, hein. Oui, les pousses de bambou. Et les pousses de bambou là, hein, est-ce que c'est typiquement chinois ou on peut les faire ici à La Réunion? Parce qu'on a beaucoup de bambou là. Si peu. Il y a une méthode, il paraît qu'il faut laisser le cœur du bambou pousser et mettre un caillou dessus. Non, dès qu'il commence. Dès qu'il commence. Un gros galet, on pèse dessus. Il pèse dessus. Donc après le bambou, au lieu de monter tout droit raide, il grossit. Il fait un chou. Voilà. Et il fait un chou, comme ça. Ah, des fois le chou est comme ça. Ah ouais. Mais comme ça, c'est pour commercialiser. C'est fou, ça. Dès qu'il gagne la maturité, hop. C'est un peu comme moi quand j'ai commencé à faire de l'haltérophilie. Voilà. Ah ouais, je ne grandissais plus, je mélangeais. Donc si on veut avoir le plus ici, c'est un gros galet, hein, donc il vient comme ça. Ah ouais. On fait au moins 5-6 fois ça. Ah d'accord, alors. Si, avant, salazie, ben là, t'es fait. Salazie, t'es fait avant? Oui. Ah ouais. Et maintenant, comme il arrive en boîte, tout ça là. Donc, il fait plus facile. Bananier. La méthode de bananier. Bananier, ouvre le bananier, il élargit, grossit, il grandit pas. Il coupe la racine ou mettre d'un pot. Mettre d'un pot. Et si vous voulez, il grandit, vous coupez sur le côté. Ouais. Vous
mettre à pousser les grandis. Ah bon? Oui. Ah. Bonsaï, ils appellent ça bananier bonsaï. Ah, parce qu'il y a bananier bonsaï alors? Oui, oui, oui. Ah bon. Et ça, c'est les champignons noirs. Hein, champignons parfumés. Ça, c'est pour faire quel plat ça? Là, je vais faire le poisson reconstitué. Poisson reconstitué. Tu vas reconstituer le poisson. Le poisson, oui. Ouais, ouais. C'est la réincarnation du poisson. Voilà. C'est un poisson clone. Voilà. Il va cloner le poisson. Ah bon? Ouais, il va cloner le poisson. Il va cloner le poisson. Ah, c'est pas le poisson clown, hein, c'est le cloné le poisson. Comme dirait Georges. Georges. Cloné. Ah pardon, excusez-moi. Moi des fois il faut suivre. Quand tu me dis Georges, je dis Georges Moustaki, moi. Brassens. Brassens aussi. Georges Cloné. Tu as amené tes instruments aujourd'hui? Oui. Ah bon, toujours parce que je te vois toujours à la télé. J'amène deux choses. Oui. Ma femme et mes instruments. Ah, non, et mes instruments, et j'ai pas dit. Et c'est pas une chose non plus. Ma femme et mes instruments. Tu as dit deux choses. Ben, parce qu'elle m'aide à porter les instruments aussi. Il y a un copain qui m'a raconté une histoire et qui m'a dit que sa femme l'aime tellement que sa femme l'attend tous les soirs à son arrivée et ouvre le portail pour lui, pour laisser entrer, parce qu'elle brûle d'impatience de le voir entrer. Ouais. Et après, il dit, ben, le portail était automatique, donc elle a qu'à, avec un bouton à appuyer dessus. Et la carotte, enfin, toujours, hein. Incontournable, hein. Ah, oui, ça, toujours la carotte dans les plats. Oui, oui, tout, parce qu'il est joli petit collé, hein. Il n'a pas de goût, mais ça. La carotte de nounours, c'est connu dans toute la Réunion. Toute la carotte de nounours, c'est réputée dans toute la Réunion. Ah bon? D'accord, parce qu'il paraît que dans tous les plats chinois, voilà, c'est le légume de base. Voilà, hein, oui, mais de base. Je connais mes filles, ce soir nous allons manger de la carotte. Ah, râpé. Oh. Là, tu as remué le poulet dedans, hein. Voilà. C'est pour les plats, c'est pour les bouillis au jambon. Bouillis au jambon. Au jambon de poulet, hein. Voilà. Hein. Tu savais, toi, qu'on pouvait faire un plat comme ça, un poulet seulement dans de l'eau, mais pas de sel, pas de poivre, rien du tout, hein. Non, j'aurais jamais pensé, parce que... Ça fait un peu fade, hein. Oui. Ouais. Mais il paraît que tout à l'heure, on va être agréablement avec les sauces. Surpris. Alors avec les sauces, hein. Bon, ben, c'est ça que je croyais que c'était pour ou pour le pelé. Le pelé, en fait. Dépecé. Il faut signaler que quand même, la cuisine à nounours est une cuisine familiale. Il y a trois générations de nounours. Là. Ah ouais. Ah ouais. Aujourd'hui, nous avons les trois générations. Hein. Ah ben, voilà. C'est une cuisine familiale. Et nounours. Hein, oui. Il y a trois générations. Là. C'est quand même... Il y a trois, il y a... Là, trois, ici, présent. Quatre même. Quatre même. On va venir là. Ouais. Ah, on va venir, ah ouais. Là donc c'est le poisson reconstitué. Ça c'est de la sauce d'huître. Hein. Ouais. Ça c'est des filets de poisson, hein. Qu'on a pris là-bas. Bien entendu, tu mets toujours du poivre dedans. Hein. Les Chinois, les Chinois, il y a toujours un peu de poivre dedans. Hein. Poivre et l'ail plus. Poivre et l'ail. Hein. Voilà. Sauce de poisson. Sauce de poisson. Et poisson, on rajoute de la sauce de poisson à l'intérieur. Hein. C'est pas grave, on mélange la sauce de poisson avec du poisson. Hein, c'est pas grave. Hein. De l'huile. Voilà. Et après, poudre de manioc. Fécule de manioc. Voilà. Là, tu vas faire une farce avec ça après ? Non, ça va reconstituer le poisson. Reconstituer le poisson ? Oui. Ah bon ? Si ça va être difficile de reconstituer un poisson avec ça, hein ? Non ? D'accord ? Là, tu découpes le poisson en petits bouts comme ça ? Un morceau de carotte. Un morceau de carotte. Oui. À chaque fois. À chaque fois, comme ça. D'accord. On intercale entre les bouts de poisson. Et là, c'est des bouts de jambon. Des jambons de poulet, hein. Oui. Maintenant, si on mange du porc, on peut mettre du porc aussi, ou du bœuf, ça dépend, hein. Mais le plus qui marine mieux, c'est le poulet. Poulet ou dinde ou.
Voilà. Et là, après les mousses de bambou, après, par-dessus. Ça s'appelle un poisson reconstitué de la fontenelle. Champignons. Les champignons noirs. Hein. C'est pas les champignons noirs, hein, c'est les champignons parfumés. Hein. Voilà. Parfumés. Voilà. Après, nous, ça met ça donc au four, là, à la vapeur. Hein. Et dans l'eau de la vapeur, on va comme ça pour mettre un peu de sel. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Alors là, on va voir, quand on va trouver un comment dire ça? Un chemin. Comme ça, l'astic là de mon amour. Là, de mon amour. Comme ça, lui mettre de sel dans l'eau. Pourquoi mettre de sel dans l'eau? Il en a qui t'en fait ça dans mon amour. Alors pourquoi? Ben, dis à autres tout de suite, on va demander à Pierre. Quand on fait cuire un truc, tout de suite, on est assez donné, d'accord? Ouais. Amen, Mélissa. Le dessus là, l'eau, il bouille, il en a un petit goût de sel. Ouais. Et comme la mer là, il donne un petit serin là. Ouais, ouais. Mais il n'est pas en fumant, Léa. Ouais, voilà, pas plus difficile. Bon. Voilà. C'est Mélissa qui met à l'intérieur. Hein. Voilà. C'est un petit peu de levain, Mélissa. Ah, d'accord, il redonne le goût à la mer, poisson-là. Voilà. Après, je connais manger le poisson le matin. Ouais. Sur une bave de la mer ou lave de poisson dedans. Mettez un petit peu d'huile dessus, là. Hein. Voilà. Ouais. Oui, le matin, quand ça fait cuire le poisson. Ouais. Ou là, goûte poisson dans le trapèze bas première. Ou là, gagne dedans. Ouais. Il y a redonné un goût le poisson. Quelqu'un dit moi ça dans le sucre. Et Nounou, c'est ce que vous pouvez faire un poisson à la vapeur avec de l'eau de mer en bas Non. Trop salé. Pas. Trop salé. Trop salé. Trop salé. Hein? Non, ben, il faut dire parce qu'on ne sait jamais, les gens peut-être ils pourront faire. Hein? Ouais, voilà. Là, le poulet, il bouille même. Hein? Ah, oui, il a des cuillères. Voilà. Des cuillères, là. Hein? Ah, oui. Ah ouais. Et puis ça là, ouais, ça c'est un bouillon d'origine. Et ça c'est avec ce bouillon là. Là nous on fait un tas d'affaires. Et tout à l'heure ça fait la soupe aussi. Hein, la soupe aussi on fait avec moi là. Hein, des bons là. Ok. Après quand ils nous sont rapides dans mon restaurant chinois pour manger la soupe, nous on fait non, le tout même. Là ça copie un petit peu pour nous. Ça copie nous là, hein. Nous, ni copier un petit peu sur juste pour notre consommation, nous. Hein. Bah. Pas pour vendre. Hein. Ouais. Ah oui. J'adore la cuisine chinoise. Là, c'est les ingrédients, ils mettent sur la table aujourd'hui. On a des trucs, des bouteilles que moi, j'ai utilisé. Ouais, hein. Mais tout est dans la sauce, tout est dans beaucoup d'ingrédients. Oui, parce que quand oui, on passe dans les rayons, dans les grandes surfaces, hein, nous trouvons un bon au pays, l'affaire chinoise nous prend pas, nous connaît pas. Bah, vous connaissez pas. Maintenant, nous connaît. Ouais. Mais là, peut-être tout camarade là, ou tes cousins. Qui ça? Et celui qui vend les produits chinois. Ah oui, Bernard. Lui, vend tous ses produits. Nous l'avons déjà, lui bientôt. On appelle à lui. Même pour nous aussi, prends un peu les affaires. Avec lui, ben voilà, mais un cousin, il fait ça. Ben, m'appelle à lui. Appelle Bernard. M'appelle Bernard. Bernard Coindin. Coindin, Bernard. Ben voilà. Et puis après. En plus, c'est sympa. Ouais, et bon maman. Un petit message, parce que Lina, son frère, est mort cette semaine. Qui était mon chef de chantier aussi depuis 18 ans chez moi. Hein, mais là-dessus, c'est que mes pédiao, m'a connu Fernand Coindin, à la MJC Saint-Suzanne comme entrepreneur. Ouais. C'était un des supporters fidèles de la MJC. Quand on dit à moi ça, fais-moi un choc. Ah ben oui. Les jeunes mamans comme ça, ils sont en voyage, fin d'année. À Maurice, il est mort là-bas, à 49 ans, même âge que moi. Condoléances, toute la famille. Ah ben oui, mais c'est bien. Hein. Mais en plus, c'était un de mes meilleurs chefs de chantier aussi. Nous perdons un chef de chantier, nous perdons un cousin. En plus, c'était mon cousin des deux côtés. Côté de maman, côté de papa. Mais que la vie continue. Il hein. Ne faut pas nous arrêter là. Hein. Voilà, nous dit bon courage. Même petit pensée, petit pensée pour lui. Ben. Voilà, ok alors. Ça, c'est quoi le poisson aux quatre bonheurs? Non, le dinde aux quatre bonheurs. Dinde aux quatre bonheurs. Hein. Ça, c'est donc des filets de dinde. Hein. On peut faire aussi avec poulet. On peut faire poulet, ouais. Avec poisson. Quand il finit. Ouais. Quand il finit presque le bon là. Là, il a quoi? 10 minutes à peu près, hein. Pas plus, hein. Là, on met un petit peu de siave noir, hein. Siave noir, hein. Et, dis-moi comme ça qu'on a deux types de siave. Oui. Siave noir, siave blanc. Siave noir, siave clair. Clair. Hein, il y a un champignon dedans. Ah, il y a un champignon. Pour colorer. Pour colorer. Oui, pour donner un peu la couleur les aliments. Et celui-là, c'est pour plutôt saler. Ouais. Saler le siave normal. Mais quand on met siave, on ne met pas de sel. Pas du tout, bien sûr. Hein. Parce qu'il fait trop de sel, il est trop épicé après. Et il y en a des plats, ils mettent siave blanc, un siave clair, et d'autres, ils mettent siave noir. Oui.
Nana, comme ils viennent faire mon tarot, le poisson, pour qu'il y ait de la couleur, parce que c'est un peu blême le poisson. Ouais, donc il faut mettre du noir. Voilà, et si Nana des. Comme pour faire l'assaisonnement, ou mettre un petit peu plus clair. D'accord, alors. Sinon, il faut rajouter celle-là pour faire. Si vous faites un truc grillé, par exemple, il donne plus la couleur à la viande. D'accord. Pas la viande, les blêmes. Oh, ouais. Les meilleurs. Donc le ciave clair, c'est le ciave que nous utilisons tous les jours, tous les tout le monde utilise ça. Hein? Oui. Et le ciave foncé, c'est un ciave avec des champignons. Il est salé, mais il ne faut pas mettre les deux avec surtout. Il ne faut pas mélanger deux ciaves avec. Il ne faut pas mélanger deux ciaves avec. D'accord. Si vous faites un assaisonnement comme ça, vous mettez un petit peu ciave normal. Oui. Et après, vous voulez colorer, vous mettez juste un petit trait dessus. D'accord. Alors. Pas plus. Sinon, d'accord. Ça va être trop salé. Et le ciave, c'est dans presque toutes les plats chinois. Oui. Presque, c'est incontournable. Hein? Bah oui, ça c'est sûr. Même pour manger les apéritifs, nous utilisons le ciave. Aussi? Oui. Ah ouais, un bouchon à la vapeur, un ciave, ouais. Tout. Oui, oui. Tout. Avec le piment là. Avec quel piment? Ah ouais, piment chinois. Piment chinois, normal. On a plusieurs sauces aussi. On a plusieurs sauces. Sauce aux prunes, malabue. Voilà. Après, vous faites autre sauce ou même, ou à autre goût. Et on a des sauces les pas compatibles avec d'autres sauces? Faut pas mélanger sauce avec. Faut pas mélanger, non. Hein? Faut toujours sauce, mettre comme ma mie dedans et se coupe, tout le temps séparé. Séparé, comme hein? Comme ça, on mange. D'accord, ok. Alors. Ok, merci bien pour les sauces. Hein? Deux petits feuilles d'oignon vert dans le bouillon. Deux petits feuilles d'oignon vert dans le bouillon, comme ça? C'est lui qui. C'est lui qui donne le goût? Ah, oui. Ah bon, ok. Alex, tu as vu ça? Mais apprends des choses. On n'a pas fait de déplacement pour voyage aujourd'hui. Non, hein? Ah, m'y crois pas. Ah, vous crois pas. Je crois pas. L'autre fois, le diamant vient, il était là, moi, t'es pas là. Oui, t'es pas là. Moi, t'es ma fat. Ouais. Ouais. Ok, alors. Vous connaissez ma fat, n'en a plus origine malgache. Ah bon? Toutes les esclaves étaient cachées dans ma fat, ça. Ah ouais? Esclaves. Donc, malgache. C'est là-bas qu'ils trouvent toutes les malgaches, alors? Ah non! Ah, mais là, malgache sont transformés. Ah! En créole. Ah bon? D'accord, alors, ok. Et la prochaine fois, quand ils viennent faire une bonne affaire, hein? Ils ne veulent pas encore quoi, mais la prochaine fois, là, hein? Parce qu'on a un bout de temps pour qu'on vienne faire la cuisine. Cheval, hein? Mais cheval ne mange pas. Mais ils mangent pas. Cabouille, là, on a mangé. Cabouille, oui. Cabouille. La bête, cabouille, là. Non, on a poisson, là. La poisson? Ben. On la ramène des poissons de Madagascar parce qu'on était là-bas pendant les vacances. Ma compagne amène des trois poissons, L'année est gros, mi réserve pour la cuisine ici. Ben, elle est bon alors. Ben. Hein, on a fait dire une sauce. Soit nous fait une sauce, soit nous dit nous, on vient faire. Farci poisson. Voilà. Comment il dit poisson farci ou poisson? Poisson farci. Poisson farci. Parce que poisson créole, moi, fatigué, mangez-moi. Ben oui. Dégoûté notre affaire. Ben, elle est bon, voilà, il faut varier un petit peu, il faut changer un petit peu. À côté, on a fait notre affaire. Mais bon. Filet de dinde aux quatre bonheurs, hein. Donc là, on va mettre le filet de dinde, on va mettre un petit peu d'oignon bien dessus. Et sauce d'huître, hein. Coulée de sauce d'huître. Voilà. Et sauce d'huître, c'est un peu comme ciave, ça utilise souvent, ça, hein. Oui. Voilà. Mais c'est un plat, il renforce parce qu'il est haute gastronomie. Ah bon, d'accord. Donc, et toujours un petit peu de poivre dessus, hein. Toujours. Donc poivre, toujours un petit peu dessus, hein. Voilà. Donc là, on va mettre ça, un petit peu plus de manioc. Un petit peu plus de manioc. Ça, c'est toujours de bons ingrédients qui reviennent souvent, oui, ça, hein. Base, poivre, poudre de manioc, ciave, oui. Sauce d'huître, c'est la base, hein. Chinoise, voilà. Et de sel, jamais, hein. Non, de sel, non. Après, nous ajoutons s'il faut, mais... S'il faut, mais jamais de sel, hein. Et là, on mélange, allez bien. Mis ça, avec une bouteille d'huile de basse. Et on rajoute un petit peu d'huile après, voilà. Alors. Voilà, pas trop grand, hein. Voilà. Alors maintenant, il dit... quatre bonheurs. Ah, les quatre bonheurs. Quoi, donc, c'est quoi les quatre bonheurs là, alors, champignons parfumés. Champignons. Jambon. Jambon. Bambou. Et carottes. Hein. Les oignons verts, pas compris dedans. Hein. Les oignons verts, c'est voilà, pour hein. Compléter. Compléter, hein. Alors, et là, donc, on prend un. Bambou. Ouais. Un morceau de jambon. Bambou et de l'oignon. Voilà. Voilà. Et donc ça va être cuit quoi? À la vapeur? À la vapeur. Ah d'accord alors. À la vapeur. Et ben voilà, ainsi de suite alors. Mais c'est facile. Oui, mais comme il dit, c'est haute gastronomie. Haute gastronomie, mais seulement il faut maîtriser la vapeur après. Hein. Ah oui. Voilà, c'est ça. Là, à chaque fois, hop, un morceau de chat. Hop. Et des filets de dinde, ils trouvent un peu partout. Oui. Et bien tous les ingrédients, ils trouvent presque partout. Voilà. Mais après, quand on dit quatre bonheurs,
On peut mettre 4 autres choses dedans, hein? Ah non, non, non. Il faut absolument, c'est ça? Je suis ça même. Ah, d'accord. Là. Ah bon, excusez-moi, alors, je ne connais pas. C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, sinon, là. Les bons. Parce qu'une crevette, mettre un bout de camaron. Et crevette dedans n'est pas bon, crevette camaron, ça n'est pas bon. Hein. Ça va pas. Ça ouais, pas. Ça va pas, il faut absolument que seulement ça alors. Hein. Jambon, pousse de bambou, carotte, oignons et champignons. Ouais. Voilà. Et quand on va cuire à la vapeur comme ça, là, il décharmera pas un petit peu lui, non? Non, 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 ça, la chair est ferme. La chair est ferme. C'est tout ça. Ouais. De toute façon, s'il retouffe le malin, il ne sera plus malin que lui. Il ne sera plus malin que lui. Ben, il ne va pas parler en ce moment. Et même il va dire, hop, et, il n'y a pas fait rien avec maintenant, ben, vaut mieux qu'il reste comme ça. Voilà. Mais la chérdienne est ferme, là. La chérdienne, quand il cuit, là, il reste là même. Voilà. On a des viandes, il cuit, là. Quand il cuit, il fait comme ça, il ferme. Donc, ouais. Il bouge, il travaille. Donc, il veut dire que je vous fais ça avec des escalopes de poulet, pas pareil. Une autre version. Une autre version, oui, pas pareil. Qu'on coupe, faut couper à l'envers. Coupe à l'envers, hein, parce que là, on n'a pas vu, mais t'as là, depuis où l'a coupé, là, où l'a coupé dans le sens des fils. Voilà, le sens du fil. Le sens du fil, hein. C'est joli, hein, j'ai les petits couleurs. Ah ouais. Colorés. Ouais. Voilà. Parce que maintenant, là, hein, les machines à vapeur, là, ils vendent ça dans le magasin, elle n'est pas très cher. Voilà. Et tout le monde peut avoir une petite machine à vapeur chez lui, une petite famille à vapeur chez lui. Ah oui, les donc, c'est des plats les très très faciles à faire. Hein. Les bons aussi, pour la santé surtout. Pour la santé, la vapeur, c'est mieux. Ah oui. Même pour les gens, beaucoup de gens âgés, même les pas âgés, hein. Ah. Ça dépend. Hein. Vous roulez comme ça, là, hop. Pourtant, les cuits, là, les fumes, il fume. Ah ouais. Hein. Combien, là où ça fait le fouillon. Nous l'avons à combien nous là? Nous l'avons à 10. 10, faut combien d'œufs? Normalement 2 œufs par personne. Donc il faut 20 œufs. Ben ok, ben on a 30 œufs là. On a de moins parce que par rapport. On a beaucoup de choses à manger. Quoique. Quoique il faut se méfier maintenant. Nous mange mon père. Et un fouillon comme ça là, hein, c'est des. En fait c'est une grosse omelette, non? Oui, c'est un genre d'omelette. Mais à la chinoise. À la chinoise. Ah d'accord. Très digestif surtout. Ah ouais. On a trop mangé là, hein. Ouais. Et il y a d'où en dedans, il développe pas mal de trucs. Ah bon. C'est pour ça, la plupart du temps, un plat chinois a toujours des œufs qui traînent. Toujours des œufs, hein. Ah, oui. Comment il connaît quand un poulet est bon? Oui. Alors, un poulet. Il est cuit. Là, il est cuit, hein. Attends, il garde un coup. Comment vous connaissez pas les cuits? Et ça y est, un coup là? Tu connais où? Eh, exactement. Moi, je connais pas. Non, on a dit quand même que quand le poulet est bon, que la cuisse remonte un peu. La cuisse remonte un peu, la chair. La chair sur la cuisse. Là, vous connaissez pas les cuits. Ah ouais, c'est ça alors. Dans un gros machin de l'eau. Hein. On ne peut pas connaître quand il cuit là. Parce que là, je prends un peu au pic à l'île, il ne sort pas, il y a de l'eau, il bloque à l'île, sinon le sang. Ouais. Quand le niveau de la cuisse commence à retrousser, là, le poulet est cuit. Quand la cuisse commence à retrousser, hein. Et puis c'est un petit peu saignant, donc pas grave. Un petit peu saignant, pas grave. Le poulet, il est bon. Alors, Robert, les poulets à l'eau comme ça, sans rien, ou mangent souvent, ça, non? Bah oui. Souvent, hein. Vous l'habitude. C'est le plat des Chinois. Hein? C'est le plat des Chinois. Le plat chinois. C'est un plat de fête. La crêpe, voilà. Pas de fête. Là, il y a pas un plat la misère. Plat la misère? Quoi la misère, ça nous... Parce qu'il est simple, il est simple. Ah, c'est voilà. Mais, haute gastronomie. Haute gastronomie. Voilà. Ouais. C'est ça, on dit, la cuisine chinoise pour mes filles. Celle-là finit ça, hein? Mais ça, elle est bon. Ça, elle est bon. Et là, ça fait des autres à la vapeur, hein? Mais un biberon aussi dedans là. Un biberon chinois. Mais un biberon dedans. Vous voulez mettre tout le biberon cuit à la vapeur? Ouais. Hein? Et tu commences bonheur, biberon à la vapeur. Aucun risque. Ouais, donc le lait n'aura pas le goût de poisson. Non, c'est sûr. C'est sûr. Lève le biberon. Ah, le biberon s'est viré. T'as mis lève le biberon, mettre debout le biberon. Voilà. Biberon à la vapeur. Là, c'est des légumes pour quoi ça? Pour le fouillon aux légumes. Le fouillon aux légumes. Là, vous mettez ça dans les œufs. Hein. Là, les carottes dans les œufs. Voilà. Voilà. Bambou. Voilà. Eh, hey, Robert, on a vu le coup de main. Hein. Impressionnant, hein. Tout chinois, on a un coup de main comme ça? Moi, non. Toi, non.
Toi, t'es un chinois plutôt, téléphone toi. Robert, il n'aime pas, il aime pas ta mère. Hein? Dangereux. Hein, regarde ça. Il n'aime pas caméra. Hein, écoute. Regarde ça. Jean-Claude, mais c'est des histoires là-haut. Ouais. Quelle histoire? Le petit maman y arrive devant un boutique chinois. Hein? Chinois là, les trans jambon, il n'avait pas l'appareil. Ouais. Les trans jambon là, mieux que l'appareil jambon. Hein? Maman il a bégayé. Quand il arrive, il dit monsieur, m'y vais jambon. Mais le temps lui dit m'y vais jambon là. Chinois fait. Chinois fait trans 20 trans jambon. Ah. A dit non, mais Eh, à chaque fois que la parle de chinois, là, il parle chinois à la boutique. Normal parce que tout chinois avait la boutique longtemps. Mmh. Oui. Ah. Et boutique, un petit restaurant. Petit restaurant, hein. Mais plus la boutique. Petit voilà. Boutique. Mais demain, la petite boutique va fermer. Mais tout ça, bah, fait ouais. Plaisir à bonne grosse oiseau là, vous connaissez. Ouais. Tout maintenant, là, on l'air, donc pas c'est plein. Mmh. Un morceau de l'île Caïman là-bas, on n'a rien à foutre de nous. Ah. Et donc tout ça est payé, hein? Après la question, moi là. Ah. Moi je suis ouvert maintenant, mais. Et longtemps, chinois, c'était fait enfant. Hein? Ou ça, chinois, t'es fait enfant. C'est-à-dire? Oh, chinois, dans la boutique, toute la journée. C'est la 23h, 24h, il est la même nuit. Ou ça, t'es fait enfant. Ah, Balderi, là, c'est pour France. Là. Ah, on a tous ces enfants sur Balderi. Là. Parce que pour les temps, tu travailles tous les jours. Balquoi, Balderi, il est dans la boutique, ça même son lit. Ouais. Ben, les enfants, tu es fait là-dessus. Ah, ben, ouais, après, ouais. Tu appelles, elle est Balquoi, Balderi. Ah, bon. Ah, ou là aussi. Ça, moi, ben. Ah, bon, pas le temps, mais oui. Pas le temps. Mais quand il arrive là-bas, à minuit, le matin, il dort, comment il fait? Il faut vous faire un sort de béret. Ah, il faut tout même manière. Hein. Ah, ah, oui, on est si Balderi alors. Hein? Si Balderi. Ben, on appelle Balderi, balle pois, balle de sel, maï. Ah là là. Ça existe pas ça ce moment. Ah non. Non, le vrai. Si. Ah bon? Ah ouais. Mais tout le monde a besoin d'affaires. Après le gouvernement, c'était dit. Ben oui, on a besoin d'affaires ben, pour acheter, pour manger, pour faire cuire. Hein. Tout ça, ça rôde. C'est un boutique chinois. C'est un boutique chinois. Ouais. Hein? Ah ouais. Les chinois, mais dommage. Pour moi, personnellement, dommage, tout ça a disparu. Parce que oui. Bon, mais ça, on se reconnaît. Ça, c'est au profit des trois élites et les oiseaux de Dieppe, les gros cueux. Hein? Ah. Bon. Ils ont dit pas, c'est. Hein? Ah bon. Ah ben oui. Ah. Et donc, dans le fouillon, là. Vous mettez toutes les légumes, vous mettez même champignons noirs, vous mettez toutes affaires de là. Hein. L'oignon vert, carotte, courgette. Ouais. Bambou. Champignons. Jean-Claude. Hein? Parce qu'après longtemps là, le chinois était solidaire. Ouais. Voilà. Je t'ai fait vivre, ouais, le chinois vient d'arriver là. Ouais. Il prête des balles de riz, des balles maïs, des balles pois. Ouais. Il fait à l'œuvre l'autre. Communauté. Ouais. C'est pour ça qu'on les dit après le gouvernement, ces autres. Ou bien aucun bon gouvernement. Ouais, c'est vrai ça. Ben, ça l'est vrai, la vérité, ouais. Parce que tout commerce, 24/24, aux affaires. Ouais. Et donc ça c'est le bouillon que voit-il le poisson dedans, hein? Avec ça. Le poulet dedans. Avec ça on fait tout. Là, avec ça, on fait tout, cette sauce-là, alors. Parce que il faut dire aussi, ouais, dans la cuisine chinoise, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, bonne cuisine chinoise longtemps. Il y avait deux, trois carailles. Ouais. Au milieu, en haut, il y avait un petit marmite. Ouais. Là-dedans, il n'y avait rien de l'eau. Et alors, donc, quand on fait cuire manger, on fait un truc, là, il ne prend jamais de l'eau froide. On prend un petit peu de l'eau chaude, on met dedans. Ouais. Et souvent, on était plus malin dans la bande, on met un os avec cochon. Un gros os, dedans. Hein, dans le marmite. Donc, il faut cuire. Alors, ça fait qu'on fait un chop-chien, un carré, quel que soit, on prend un petit louche, on met dedans, ben, le goût est plus. Ah ouais. Et dans cette eau-là aussi, là, l'eau qui bouille, dans laquelle avait le poulet tout à l'heure, là, c'est là-dedans aussi, ça fait de soupe. Oui, avec ça, on peut faire tout. Ouais, potage, oui. Soupe, entremets, braisé, à la vapeur, grillé, sauté, tout ça qu'on veut. Tout là-dedans, alors. Hein. Tout est basé. D'accord, voilà. C'est après, on assaisonne d'après les sauces. Ouais, hein. Du verre, bon. Ouais. On me dit toujours, jamais deux sauces. Une sauce à la fois. Toujours une sauce à la fois, hein. Alors là, nous, ça va, parfume le poulet. Ou ça parfume le poulet. Voilà. On se sent quoi? Un peu d'huile, hein. Voilà, l'huile, hein. Elle est sur l'huile, hein.
Calix, regarde, hein, donc, comme ça, regarde comment il masse le poulet. Hein. De l'huile, oui. C'est un massage à l'huile, ça. C'est un massage à l'huile. C'est pas un massage ayurvédique, hein. C'est un massage à l'huile de poulet, oui, seulement. Oui, voilà. Où ça fait bazar chez le chinois là. Ouais. Le poulet à l'azan, papa il travaille établissement. Ouais. Soit fin de semaine, quand les gars sont là à l'azan, il s'est payé, on est carné, il marque. Ouais. Ou la prend un kilo de saucisse, ou la prend du riz, ou la prend ici de l'huile, de beurre. Ouais. Ouais. Ça même tout l'essentiel. Pour le reste, c'est vrai tout dans ça. Donc, du coup, il était le banquier, le commerçant. Il était tout. Il était le papa. Et quand il arrive à où le problème, papa chez case, là, où il raconte dans la boutique chinoise avec le chinois. Oui. Voilà. Ça donc, il faisait partie intégrante de la communauté. Communauté. Et en plus, sa vie était dans son commerce. Ouais. Son lit, toutes les lundes dans la même lit. Ouais. Dimanche, il trappait. Boîte, il mange. Il dort dans une balle de rideau. Hein? Ah bon? Et elle lève le matin dans le commerce même? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est là où tu vois qu'il avait pas grand travaillé ici la Réunion. Hein. Voilà, c'était pas le fait pour gagner la raison, mais le petit créole, il arrive, il a besoin de son kilo de graisse, son bout de boucané, son bout de salé, son bout de chenou, tout ça rodé. La même. Et comment ça se fait dans les boutiques-là? Elle avait un approvisionnement? Ah oui. Qui ça t'approvisionne toutes ces boutiques-là? Elle avait une grosse société comme à Seng, à Yon. Ah, d'accord. Toujours tenu par des Chinois aussi, hein. Toujours, hein. Et c'est ça qui approvisionne les plus gros, les plus gros de l'île. Ouais. Mais après, tout ça l'a changé. Comme il dit, oh, on a l'équipe arrivée, il a vu plus gros que les autres ventes. Et puis, il a fait les grandes surfaces. Voilà. Voilà. Et après, c'est on après les grandes surfaces. Grande surface, mais... les petites boutiques de proximité, la période, hein. Voilà. Et puis, c'est beaucoup aussi les élus. Les élus. On a une petite dent contre les élus, non? Pas spécialement, mais midi, il faut penser à nous aussi. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas dire que nous n'avons pas le droit d'avoir un petit bout de. Je ne sais pas moi. On prend où là? Ouais, tout ça, on a le droit, il n'est pas bon. Ouais, ouais. Et là, ma papy, il veut mettre poivre aussi dedans. Hein. Oui, poivre. Donc, fouillon, hein. Poivre aussi. Hein. Et là, nous mettons la sauce d'huître. Là, la sauce d'huître. Là, c'est haute gastronomie. Hein. Voilà. La sauce d'huître, haute gastronomie. Normalement, une bouteille comme ça, on en a pour au moins 150 personnes. Ah ouais? En assaisonnement. Voilà. En assaisonnement, hein? Alors, la différence, un omelette normal et un fouillon. Ouais? J'ai goûté. Ils battent jamais les yeux. Ils battent jamais. Vous mélangez comme ça avec la main. Ils mélangent comme ça avec la main le fouillon, alors, hein? Ils battent pas, hein? Crâle seulement. Il n'a pas de fouet du tout, hein? C'est la main qui est le fouet, hein? Il dit qu'il crâle les jaunes. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, d'accord. Voilà, exact. Et là, pour ça, on fait à l'huile, ça? Ben, fait frites. Fait frites à l'huile, hein? Voilà. Et là, avec ça, on peut faire beaucoup de variations? Là, Jean-Claude, tu as l'origine du mixeur Moulinex. Moulinex? C'est l'origine, hein, comme tu as fait voir. Ah bon, Nuno? C'est l'origine du mixeur Moulinex. À la main? À la main, tout à la main. Pas besoin de fouetterie hein, du tout. Hein. Voilà. Et on ne mélange pas beaucoup le noir, hein, donc non, c'est ça. Hein. Voilà. Pas trop. Il ne faut pas y batailler. Faut pas y batailler trop. Hein, juste là, un petit peu seulement comme ça. Là. Et puis il est bon. Il y a, une liaison. Il est cassé, juste cassé. Voilà. Juste cassé. Une liaison. Là, on va mettre quoi là? Sauce, un petit peu de sauce de cierve noire. Cierve noire avec un petit peu d'huile dessus. Voilà. Je dis qu'on va mettre voilà. Voilà. Hein. Et après, on va mettre. Après, il refait la sauce avec petits légumes ou remettre dessus. D'accord. Ça, c'est le dinde qui cuit à la vapeur. Tu vois qu'il y a les ingrédients autour. Et par contre, la machine. Quand il y a un planche avec un couperet, il fait la machine. Suivez les délires. Suivez les délires. Là, nous, ça fait. Non, nous battons la viande de poulet. Là, ça, c'est la viande de poulet, ça, hein, la chair de la cuisse de poulet. Hein. On passe à base de viande de poulet. Et là, on bat la viande. On soit un ou soit deux, c'est selon. Tu peux prendre deux aussi. Pareil, Baptisa. Banane Baptisa. Oui, mais ça là, on a beaucoup de choses après les Chinois. Ben, les baptisés qui ont découvert. Qu'est-ce que ça? La machine qui vient d'arriver. Donc, comment t'es fait? Ouais. Et là, avec ça, on se fait une farce là. Hein. Une farce à base de poulet. Farce à base de poulet, hein, de chair de poulet. Et il faut toujours de la cuisse de poulet. Hein. Oui, la chair. Sur la chair blanc, pas bon. Non, elle est trop rêche. La viande est trop rêche. La viande est un petit peu gras. Voilà. Mélanger. Et là, mon avis, qu'on enlève la peau toute hein, sur les cuisses de poulet. Voilà. Comme la dernière fois qu'on l'avait fait, la première fois qu'on l'avait fait à la cuisine, on enlève voilà. la peau. Hein. Voilà. Donc là, il est bon. Et ça, il ne jette pas. Hein. La peau, il ne jette pas. La peau, il ne jette pas avec ça. T'as l'air, on fait encore une affaire. Le sol, il fait le graton. Graton, hein. Graton de poulet. Graton la peau poulet. Graton la peau poulet.
Et Wadjao chinois, ils jettent pas rien. Non. C'est des leçons. On s'étonne que la Chine soit ce qu'elle est, mais c'est pour ça, ils jettent rien. Ah bah oui. Et t'as vu, ils sont à 3 milliards aussi là. Ah ben voilà. Moi, si j'avais 3 milliards, je ne les jetterais pas. 3 milliards en population. Ah ben oui, mais j'avais compris. Mais quand même. Et l'humour, quoi. Ouais, bien sûr. Nounou, là, c'est des crevettes, hein. Oui, on ajoute des crevettes avec. Le poulet se marie très bien avec la crevette. Ah ouais, ouais, très bien. Calix, tu savais où vous mariez bien la crevette et le poulet? Ben, je connais autre chose, mais... Mais ça, la dernière fois, nous, ça avait fait aussi, oui, hein. Mais ça, je connaissais pas. La crevette et le poulet, c'est... Parce que, par exemple... Bernard, il s'appelle. Oui, Bernard Mayotte. Bernard Mayotte. Mayotte, comme mail avec un os. Ah, Mayotte. À Madagascar, ils font cuire de la viande poulet et du porc. Oui, aussi, oui. Et c'est deux viandes qu'ils mettent avec. Là, les crevettes et le poulet, oui. Pour le foyon. Non, pas ça, pour le foyon, là, ça c'est pour une farce. Une farce. Ça, je ne savais pas. Hein? Mais il y a des oignons verts aussi dedans. Hein? Oui. Les saveurs se mélangent divinement bien, même dans la cuisine française. Hein? Poulet avec crevettes, il y a de la cuisine française qui mélange les deux saveurs. Oui, ouais. Absolument. Ah ouais, ouais. Ouais. Et là, tu mets tout ça dans un bol. Tu as presque mélangé. Et là, tu vas assaisonner, hein, toujours avec du poivre, parce que Calix, le poivre, là, incontournable de la cuisine chinoise. Incontournable, mais créole, c'est pareil. Presque toutes les cuisines, hein. Plus chinois, on dirait. Plus chinoise, on dirait. Ah bon? Non, le créole, tu les utilises. Poudre de manioc. Poudre de manioc, non. Poudre de manioc. Hein, et Calix, on ne dit pas poudre de manioc, on dit fécule de manioc. Fécule. Voilà. Hein, et Siav, bien entendu. Hein. Et voilà. Et après, on a quoi une affaire? Comment appelle bonne chose? Et après, quoi, être là? Hein? Les krills. Les krills. Ah ouais. Là, c'est pellicule. Ouais, non, la fécule de manioc. Hein. Parce que. Et là, on mélange tout ça avec alors. Hein. Voilà. Hein. Donc, Siav, poudre de manioc et poivre. Poivre. Voilà. Donc ça c'est la face, hein. Et ta face est différente de la face créole. Ah ouais. Elle est différente de la face créole. Mais Toulouse et la Chine sont deux nations, enfin deux pays qui se marient bien parce que jeu de main, jeu de Toulousain. Là c'est un peu pareil. Comment tu as dit? Jeu de main, jeu de Toulousain. Ça c'est pour le rugby. Hein. Et tu connais mais la ça, cuisine, toi c'est pareil. Tu connais ça toi? J'ai les côtes qui mouillent, j'ai les côtes qui mouillent. J'ai les côtes qui mouillent. Mais j'ai les côtes qui mouillent. Mais j'ai les côtes qui mouillent. J'ai les côtes qui mouillent. Mais j'ai les côtes qui mouillent. Et attention, vous là, tous les deux là. Ça, c'est jeu de main. C'est quand la langue fourche. Quand la langue fourche. Ah, d'accord, alors. Okay. Attention, jeu de main, jeu de vilain. Hein. Voilà. Jeu de main, jeu de Toulousain. D'accord. Rugbyman. Et quand un rugbyman et un footballeur se rencontrent, ils se disent quoi? Moi, j'ai dit, t'as les épaules carrées. Parce que Nen le rond, l'atelier au bal. T'as les épaules carrées, toi. moi, je dis, les pousses cailloux, tant pis pour eux, ils se font mal aux pieds. Et toi, mal aux mains, à la main? Nous, ballon ovale, mais il est ovale, devinez quoi. Ah. Ok. Oui. Bon, bon. Je vais voir Nounouas. Nounouas, c'est bon? Oui. Voilà. Le dernier carbonio, il est enfin presque bon, quoi. Hein. Il est bon là. Il est venu depuis le demi là. Ouais. Et, fumé, et là, ton bouillon, il bouille toujours, hein. Oui. Il est toujours au feu, hein. Voilà. Et ça, c'est pourquoi ça? Ça fait le poulet. Le poulet. Une jolie fleur dans une grosse vache. Une jolie vache déguisée en fleurs. Et qui vous attache et qui vous mène par le bout du cœur. Jamais sur terre plus d'un d'amoureux, plus aveugle que moi dans tous les âges, pour dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corps sage. Une jolie fleur dans une pauvre vache, une jolie vache déguisée en fleurs. Et qui vous attache et qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu de mille appâts qui
qui vous font prendre des cornitouches. La navette tant que je ne savais pas, ne savais plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie bague déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, et qui vous mène par le bout du cœur. Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corps sage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, et qui vous mène par le bout du cœur. Ça c'est le foyon, hein. Et là, on va mettre de l'huile dedans, donc ça raille, et puis après, ben, c'est comme une omelette, là, hein. Ah, on tourne bien, hein. Ah, oui. Et ça, ça en a fait, ça a vite, ça, parce que le feu, comme les couloirs, là, comme ton paquet, comme ça, là, là, et ben, normal, ça, ça, c'est fouillon, alors, hein. Et vous l'avez pas salé, ça, hein, il y a qu'un peu siard dedans, hein. Spécial, hein. Sauce huit, hein. Après, il y en a notre sauce qui vient dessus. Voilà, notre sauce qui vient dessus. Là où ça va détailler le poulet. Là où ça détaille le poulet. Ah, mais il finit bien cuit à l'intérieur, hein. Normalement, oui, normalement, il est cuit. Comment il bat ce poulet là-bas? Ça nous rend enlever. Allez, ben la main est dure, ça. Vas-y, il y a un monde là, Maurice, ça va y mettre la main dans l'huile chaude. Quand il fait son beignet. Oui. Et ben, il dit son mal est dur aussi, t'as force tape sur le couper là. Il tape ma mission, il est. Ben. La mauvaise idée, il faut brûler aussi. C'est pour ça, au lieu de faire un rôti dans le marmite des fois là, hein, et ben, il vaut mieux faire un rôti bouilli dans l'eau. C'est comme un rôti, bon, hein, en fait, hein. C'est et presque oui. Un rôti. Ben, parce que quand t'es chaud, il a en robe de l'huile dessus. Ouais, 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 ouais. Pareil. Mais l'huile, vient de mettre ta lave là, hein, le pas mettre pendant la cuisson, ça. Bon, après. Après. Ben, il est cuit, hein. Ah ouais. Voilà. Et ça, il dit ça avec le foyon. Non, ça, c'est le poulet bouilli. Ça, ah, c'est un poulet bouilli, hein. D'accord. Et le foyon, faut regarder parce que le foyon, là, ça va vite, lui, hein. Là, quand il bouille, là, quand il brille, là, il est bon. Quand il brille, il est bon. Ça, un vrai foyon. Un vrai foyon, faut il brille un petit peu. Voilà. C'est ça. Mon beau-père dit non, pas de débrouiller, mange pas, en français. Débrouiller, mange pas. C'est un homme bon pour la digestion. Ah bon, pour la digestion, il faut les brûler un petit peu. Hein. Brûler, brûler. Ouais, ah, ouais, ouais, mais juste un petit peu. Hein. Voilà, voilà. Là, comme là, là, là. Ah, mais voilà, là, il est bon, là. Deux petites minutes. Deux petites minutes. Après, il est bon. Mais pour un petit peu de goût aussi là, ou quand on fait bouillir le poulet là, ou la mettre dans l'eau comme ça sans rien, mais pour assaisonner un petit peu l'eau, mettre un petit peu bouquet garni dedans, un petit peu tout ça. Rien, d'oignon vert. Rien du tout, d'oignon vert seulement, hein. Un poulet bouilli, hein. Non, c'est plus comme un double élastique là, pourquoi? On fait pas par raté ou là? Ah, ok, pas là, l'année dernière, quoi? L'année dernière, quand il était là? Non, ça, c'est un anti-stress. Lève le carré, mets à terre, Mélissa. Un anti-stress, hein? Par contre, voilà. Il faut enlever. Je vais enlever. Hein? Ah ouais? Ah, le zola pour enlever, hein? Anti-stress comment? Mais par exemple, pour les. Je sais pas, on n'est pas en forme, on n'est pas en machin, on met un élastique. Ça donne un temps, si c'est. Ouais, c'est là. On met ici, on change comme ça, ouais. Ça est très bon. Des fois le matin on lève, on n'est pas dans le bain, ça n'est pas qui souffle, qui souffle comme ça. Là on met un élastique. D'accord. Ben, là l'élastique ça vend là. Hein? L'élastique ça vend. Ça c'est l'élastique mais vend. D'accord. Mais ça, comment elle est facile à faire, hein? Non, facile. Facile parce qu'elle y connaît. Non, mais la trappe, le poulet, la mettre dans l'eau. Oui. Froide, la laisse bouillir. Et après, il l'enlève.
On laisse l'eau bien bouillir après. Quand la viande décolle de la pâte. Et là, t'es bon. Des genoux. Genoux. Ouais. Là, il connaît les cuits. Comme ça, il est bon, ta machin. Voilà. Allez, on va mettre le petit bout de jambon, le petit. Ah, là, ouais, on va mettre le petit bout de jambon, de poulet dedans, là. Il n'y a pas ça à la vapeur, là. Non, non. Là, après, il prend les froids. Hein? Un plat, il mange pas. Il mange froid, ça, alors, hein. C'est comme la vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Voilà. Moi, pas chaud, parce qu'il n'est pas bon. Donc, ça fait ça, d'autre, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui, comme très le poulet froid, froid très de froid. Nounours. Et plus c'est froid, mieux, ah, mieux c'est. Mieux c'est, hein. C'est le bouillon de poulet. Le bouillon de poulet, il n'a pas rien. Il est bon. Il est bon. La pointe sel, la pointe poivre, il n'a pas rien. Il est nature. Et imagine qu'il fait bon. Un instant qu'il y a ces zones, ça est dangereux. Est dangereux, hein? Oui. Ah ouais. Un petit peu d'oignon vert dessus. Ça? Je sais que c'est bon. Ah, j'ai bien mis. Donc là où tu passes ça, là où tu peux remuer dans l'huile, tu peux tout comme ça. Là. Bon, c'était bon. Ah, c'est pour la déco, hein. Sauf qu'il faut un petit peu échauder les carottes, hein. Sinon, ils croquent. Sinon, ils croquent. Ah, bien sûr. Ça, c'est des nouilles, hein. Des nouilles secs. Là où ça fait bouillir les nouilles. Et après, fait où tu as mis dans les arbres. Ah, ouais. À l'huile. On va mettre un petit peu d'huile dans la poudre de couleur aux légumes. Hein. Ça sent combien là ? Ça commence à changer. Là. Ah ouais. Il vient couleur bleue. Ah ouais. L'huile, c'est l'huile. Ah ouais, chauffe des brettes entiers okay. Comme ça dans le bouillon. Hein. Là, t'es juste lavé ou la largue est dans le bouillon comme ça. Hein. Allez, viens que les gens avec ça, ils mangent. Oui, ça m'a massé le soir, ça m'a massé. Ah ouais, le soir, hein. Il faut un petit bout de la viande, mais le soir, elle boit comme ça, c'est. Voilà. Et là, le body, ça bien cuit de l'ail. Non, hein. Pas trop. Pas trop, faut pas trop cuire alors, hein. Croque. Il faut les croquer un peu. Oui, pas trop cuit. Il faut pas être trop cuit, Robert. Non. Il faut pas être trop cuit. Ah, comment on fait au... Pas de rien, moi je mange. Je bosse beaucoup, beaucoup, parce que tout est de mémoire. Je n'ai pas une partition, moi. Ouais. Ça, c'est le... la farce, hein. Oui. C'était... Ah ouais. Ah, ben, on avait, tu as un lit bread. Pas si mal maï, là, Nuno, ça. Et Cadiz, on a vu à chaque fois qu'on retrouve un chinois, là, hein.
Il nous reste toujours un appareil photo là. Et chinois, elle fait pas la cuisine. Ah oui, Alice, c'est tout le temps qu'elle a appareil photo. Alice, hein. ça son affaire. Hein? Ça, il était contre lui. Il était dans la banque. Avant, elle avait pas l'appareil, contre avec le doigt. Hein? Ah, mais ça, il était gay contre bien avec le doigt, lui. Le doigt, c'est ça, midi. Après, l'appareil est arrivé après. Après, ça. Ah, ouais. Ça, c'est comme Nounou, hein, s'il fait sa cuisine, pas besoin de l'appareil, lui. Paf, paf, paf. Hein? Ah, là, comme ça. Là, ça fait un petit dessin, là. Tu fleurs. Et ça, c'est pour faire quoi, ça, Nounou? C'est pour faire la farce pour le plat qu'on a mis dans les arbres. Qu'on a mis dans les arbres, hein? Voilà. Les gars, c'est comme ça, c'est bonheur créole. Feuille de volaille, hein. La peau volaille. Et là, tu peux la mettre dans de la... Le fiave. Fiave, le sel, poivre. Sel, poivre. Vous voulez mettre du sel aussi, un peu? Le sel, poivre, hein. Tu fais la peau grand-chose, alors, hein. Mais c'est... Là, nous sommes en train de faire graton de poulet. Graton de poulet? Ouais. Et comme il dit, bon, c'est la gatia. Gadia. Bon, coup, avec ça, ils mangent un affaire. En fait, moi, là, demandé, il m'a quoi au menu? Il a demandé une feuille. Il a dit, le menu l'a fait. Il a une liste. Ah, même il connaît plus, monsieur. On va reprendre mes 10 kilos. On va reprendre 10 kilos. Allez, bon, alors. Fleur balée. Fleur et belle. Avec Béana Mayos, hein, où tu as vu les oreilles qui chantent créole, il ne gagne pas, il essaye. Son accent n'est pas bon du tout, mais les gaillards, parce que ouais, un chanteur là, ben, il reste toujours un chanteur. Lui. Ben, hein, ça, ouais, coup, nous on fait la cuisine là-bas. Là. Raton de poulet. Hein, Nounou, la dernière fois qu'on a fait la cuisine, hein, des gens ont dit comme ça qu'on fait les fritures dans la même huile tout le temps. Oui. Mais il n'est pas grave ça. Hein? Hein? Mais il dépend. Mais le goût, ça, il est différent. Après, ouais. Mais c'est l'huile de la journée. Mais est-ce qu'il peut utiliser une huile le lendemain ou la surlendemain? Jamais. C'est toujours l'huile de la journée. Hein? L'huile, quand il est chaud, il reste chaud. Hein? Voilà. Ah, il faut balancer l'huile. Ouais. Là, on s'en prépare quoi? Le potage. Mille... Enfin, la soupe, hein? Le potage mille spécial. Là, qu'est-ce qu'on va mettre là? On a la crevette, champignons, d'oreille de chat, jambon, carotte, maïs. Ça, c'est dans le jus qu'on a fait là, du poulet, là, hein? Déjà. On va mettre un peu bread aussi, là, non? Oui, bread. Ouais. Et bread est là-bas déjà, hein? On va fin tirer le bread, hein? Voilà. Ça a des mines dessous, hein. Après les brettes dessus. Et les brettes n'est pas cuit là. Hein. C'est pas cuit, il est cru, hein. Et c'est là où ça va mettre le potage pas dessus. Et le produit d'abord. D'accord, donc les légumes et tout ça d'abord. Ouais. Avec une passoire. Voilà. Elle peut goûter un petit bout de graton, non? Quel est un petit bout de graton? On a mangé un petit bout de graton poulet.
Ah, bon. Bon. Avec ça, vous ne pas. Jean-Claude, d'ailleurs, avec ça, vous ne pas la goutte. Vous ne pas la goutte. Hein, gratton même, mais vous ne pas la goutte. Ah, mais il y a goutte, vous là. Ah oui, parce que. Il est là en mode de moi, pour regarder la goutte là. Ah, ben, bien. Vous connaissez pourquoi? Parce que ma patte, ouais, docteur. Mmh. Hein, il appelle docteur Pouillet. Pouillet. Ouais, dans les Hauts-Saint-Suzanne, pas trop loin là. Là, donne-moi un traitement à vie. Donne-moi un problème petit cachet tous les jours. Les deux premiers mois, il fait mal à ou bon pé. Après, il sera bon. Ah ouais? Il a fait mal à moi pendant deux mois, bien, bien même. Il a pris la goutte? Non, depuis une semaine, il m'a pris rien. Ben, ne vend de médicaments là. Non, mais c'est un médicament. Mais donne pas le nom à la télé, oui, c'est normal. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est un médicament. On a des docteurs les spécialisés pour la goutte, ma trouvaine. D'accord. Maintenant, on n'a pas trop la goutte. Ça va. Ah, ben, elle est bien. Ben, elle est bien. Calique, maintenant, mange un morceau gratos. Les filles rajoutent le jus dans le bouillon. Ah, gratos est là. Non, mais comme. Ben, il mange gratos, il rajoute le jus dans le bouillon. Dans le bouillon, ben. J'aime les filles. C'est sa soupe. Ah bon? Dieu que c'est bon. Ah bon? Ah bon? J'aime les filles de Saint-André. Elles sont jolies, elles savent chanter. J'aime les filles de Saint-Denis. Quand elles viennent me réveiller la nuit, j'aime les filles de la Réunion. Elles sont jolies, elles sentent bon. J'aime les filles, et puis voilà, ça c'est tout moi. C'est tout toi ça, hein? Un petit peu d'oignon vert dessus, comme ça. Et Robert, voilà, elle est bon maintenant, elle est chaud Robert. Hein? Oui. Mais ça c'est un bouillon, on est là pour manger au moins 10-15 personnes avec ça. Facilement, hein? Oui, attends, un paquet, vous l'avez dit, un paquet. Ouais, ouais. Un paquet, ben, avec des consistances. Des consistants, hein. Robert, fais attention, hein, c'est lourd, hein. Bon, attends. Il n'y a plus de place sur la table. Il y a trop de trucs à manger sur la table. J'aime la cuisine fait par nos oncles. Oh mais là là, mon Dieu que c'est bon. J'aime la cuisine, monsieur nous. Ben misal de riz. Ben misal de riz. Fourmis dans les arbres. Comment vous connaissez l'huile, est chaud ou pas chaud? Mais après, c'était mis salé. Non, mais je l'amène dedans carrément. Et vous trappez tout, vous mettez dans l'huile chaude comme ça. Vous trempez les sommes un petit peu comme ça. Hein? Ah ouais? Il explose. Bon, mais vous l'avez vu, ça il explose qu'on mette dans l'eau. Hein? Ouais. Regarde ça comment il monte, tout de suite comme ça. Eh ben, elle est magique ça, hein. C'est bien mis sel de riz, hein. Bien chaud. Faut que l'huile est bien chaud, hein. Voilà, fourmis dans les arbres et prêt. Fourmis dans les arbres et prêt, hein. Eh ben, la cuisine de Nounou, cela, elle est tellement variée, il y a fait tellement de plats que nous les difficile pour suivre, hein. À un moment donné, nous a fait perdre le fil même, hein. Mais bon, connaître dans Plaisir Créole, là, hein, c'est pas vraiment, vraiment aller connaître tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut, hein. Nous aura l'occasion après, nous nous la revenir la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui, là, maladie Ali, fait deux plats, fait trois à la limite. Nous va suivre bien, il a fait tellement que nous arrivons à suivre maintenant, hein. En tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que n'est pas pour manger aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de plats qu'il y a cuisiné pour nous, hein. Et puis après, nous on a Bernard aussi, des Yaba, Bernard Mayos, hein, avec son piano. Et pendant tout ce temps-là, Bernard, il fait nous de la musique, il accompagne nous. Que de la musique, ben, dans la cuisine, il y a des accompagnements. Et ben aussi aujourd'hui qu'on mange, il faut un accompagnement. Et là, nous on a Bernard Mayos là-bas aujourd'hui avec son piano, que ça fait à nous un accompagnement toute la journée avec de la musique française, bien entendu, parce que c'est sa spécialité, mais aussi de la musique réunionnaise, de la musique créole. Il n'est pas trop chanté, comme nous dit à la musique réunionnaise, hein. Son voix n'est pas trop ça, hein. Mais il est dans le ton, il essaye. Et c'est ça qui vient avec Bernard. En tout cas, nous on a encore des plats à faire. Elle n'est pas finie encore, elle est déjà 2h de l'après-midi. Et nous n'a pas fini encore, hein. Mais on pense d'ici une demi-heure, comme ça nous passe à table. C'est bon? Allez, nous ça va. Un petit cuir, hein? Un petit point, un petit point, hein? Ah bon. Ah, ça. Et ça fait des petits concombres, ça, hein?
Non, courgette. Courgette, hein. Courgette avec carottes. Un petit peu de la poudre manioc avec de l'eau et vous mettre dedans. Oui, c'est sûr. Vous pouvez faire un petit peu la sauce. Dans le goût. Et puis voilà, ça fait un plat aussi, hein. Carottes, courgettes, champignons. Champignons, poulet. Tous les légumes seulement, ça, hein. Un petit peu de crevettes. Un petit peu de crevettes aussi dedans. Voilà. Ouais. Et ça, c'est quoi, ça, avec les... C'est un daube de saumon. Daube de camaron. Aux légumes, hein. Donc, il faut mettre dans les arbres, c'est ça, hein, c'est-à-dire ce que l'on a fait à là, faut mettre dessus. Je peux faire un de la musique, je peux faire. Voilà. Galwell était le comté, c'est arrivé au Connemara. Il y avait les contents, les Connemalais et les Sambans qui sont arrivés. Et puis après 10 ans de combat, il y avait mon nounours qui a cuisiné des terres d'abord et qui a donné de l'appétit à toute l'assemblée. Il y avait les nounours qui a cuisiné, qui nous a fait un tas de poulet que l'on n'a pas fini de manger. Là-bas, au Connemara. Daube de camaron. Daube de camaron, hein. Là, on met un petit peu de poisson. De poisson, hein. De sauce de poisson. Hein. Daube de camaron, sauce prune. Sauce prune, hein. D'accord. Ça va pas vite? Non. Ça, c'est les fourmis dans les arbres. Non, mais il n'y a rien que fourmis là. Il n'y a rien que fourmis là. Dans l'huile chaude. Ouais, dans l'huile chaude. D'accord. Avec nos ours, nous on va manger. La bonne poulet de la Chine. Ça, c'est un poulet croustillant, hein, que tu as fait entre temps, hein, oui. Avec les os. Os de poulet. Os de poulet, hein. Os de poulet. Comment? Os de poulet. Os de poulet. Enfin, le os poulet, quoi. Os. Hein? Os. Os, ouais. Ouais. Ah oui? Et la sauce, c'est qu'avec des sauces d'huître à l'intérieur? Quelle? Ça. Non, sauce prune. Sauce prune, alors? Camaron sauce prune, hein. Camaron sauce prune. Un dope, ça s'appelle un dope. De camaron sauce prune, hein. Voilà ton assiette. Une assiette. Ah oui, joli, hein. Manger tout seul, c'est un plat, hein. Voilà. On mange un peu de riz, c'est bon, hein. On a 50 choses, hein. Oui, oui. Et nous, on se dit, moi, mettre du riz au fait, là-bas. Moi, mettre du riz au fait, moi, j'ai ordiné là, pas là. Oui. Et le riz, il est bon? Oui. C'est du riz normal, alors? Oui, on a fini la saison. On a fini la saison de riz? On l'a pas vu, moi. On l'a vu, moi. On m'a pas vu. Là, comment il appelle ça, donc, là? Ben, ça, il dit c'est un dope de camaron à la sauce prune. À la sauce prune? Ouais, non. Un bouillon de bread. Ça, c'est sa soupe. Son potage, qu'il appelle ça, hein. Ouais. Ça, c'est des poissons reconstitués à la vapeur. À la vapeur. Son foyon. Foyon. Foyon, il dit, hein. Den. Et ça, c'est des dennes aux quatre merveilles. Quatre merveilles. Voilà. Hein? Et ça, c'est le truc. Ça, c'est fourmis dans les arbres. Fourmis dans les arbres. Fourmis dans les arbres. Ouais.
Et ça, par contre, me rappelle plus. Nous, ça, c'est quoi, ça, les brettes? Brettes de cœur farcies. Ah, brettes de cœur farcies, hein? De la viande farcie. Et ça, c'est le poulet. Poulet bouilli au jambon. Poulet bouilli au jambon. Jambon. Voilà. Des os de poulet croustillants. Oui, hein, le poisson farci toujours. Et fouillon. Ensuite, on a encore fouillon. Le fouillon. Et les ailes d'aine. Et les ailes de. Non, les d'aine aux quatre merveilles. Hein. Quatre merveilles. Voilà. Mais là, on a un plat qui est. Oh là là, pour manger pour un régiment, ça. Et alors, Nounou, est-ce combien de plats il y a là, au total? 9. Il faut garder l'ordinateur. Là, il compte parce qu'il ne connaît plus. 7, 8, 9. Et Nounou, soit dire, moi, comme ça, il faut toujours mettre un pair. Il ne faut jamais pair. Hein? Hein? Toujours un pair. Hein? C'est normal. Soit 7, soit 9, soit 3, 5. Mais jamais. Jamais pair. Hein? Ouais, les bons, là. Eh ben comme là, fini là, hein. Luc, tout le monde passe à table, là, c'est bon. Bon, Luc passe à table, tout le monde. Ok. Allez, ben c'est parti, hein. Un silence. Alors, Christian, comment il est? Un silence qui parle seul. Il est bon. Exact, il est bon. Bonsoir, comment on va? On peut plus parler. Nickel. Ça va alors? Hein? Les bons. D'accord alors. Bernard, merci bien d'être venu de chanter pour nous. Alors écoute-moi, je te dis une chose. Allez, dis-moi. C'est la deuxième fois que je viens. Oui. La première était exceptionnelle. Celle-ci est fabuleuse. Et je dirais que faire de la musique, c'est bien. Mais manger, c'est mieux encore. C'est mieux. Et oui. Manger de la cuisine de Nounou, c'est encore mieux. C'est encore mieux, absolument. Ah, d'accord. Et alors. Ça motive. Je ferai une chanson d'ailleurs. D'accord. Donc, on tue toi alors. Hein? Allez. D'accord alors. En tout cas, Nounou, merci beaucoup. Hein? Encore une fois. Hein? Donc, il y a un numéro qui s'affiche là, juste en dessous. Là, hein? Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de Nounou pour cuisiner, tu vois, il peut appeler ce numéro-là. Hein? 12-31-37. Oui. 12-31-37. 06-92-12-31-37. Hein? Jean-Claude. Okay? Oui. Et si en plus de manger, ils veulent de la musique, oui, je peux venir avec Nounours. Ben voilà, il a un camion. Et donne Bernard, tu donnes aussi des quoi de cuisine. Tu donnes aussi des quoi de cuisine, ouais, hein. Et Bernard, il y a aussi un numéro, non? Alors oui, attends, comme je m'appelle pas souvent, j'ai pas grand chose à me dire. Oui. J'ai du mal à retenir mon numéro. Voilà. Alors 06 92. Oui. 00 94 91. C'est un numéro magique. D'accord. Alors. Ok. Voilà. Pour des soirées. Soirée, animation. Voilà. Truculente, truculente, dansante. Voilà, ok. En tout cas, merci beaucoup. Christian, un petit mot. Non, le patron de mémoire de la musique. Donc, son numéro de téléphone, il ne peut pas oublier. Oui, voilà. Bon, merci beaucoup. Nous retrouvons la prochaine fois. Allez, allez, nous retrouvons la prochaine fois alors. C'est le retour. Et personne ne lève pas la main. Il dit pas au revoir, tout le monde l'est sur la cuisine de Nounours. Allez, au revoir, à la prochaine fois. Allez. Bravo Nounours. A été proposé par 15 créoles construction, les maisons les moins chères à La Réunion.